Le spectacle. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Camille. On assiste au magnifique spectacle de danse de Ballora. Oui, bon, parfois elle est un peu sauvage, mais franchement, elle est trop mignonne. Écoutez, aujourd'hui, on a pour objectif de faire la maison de Cindy et Candy. Si vous les connaissez pas encore, il s'agit de petits chats trop mignons qui sont des frères et sœurs. Mais parfois, ils sont un peu coquins. Bon, ici, si vous connaissez pas, regardez, c'est la salle de spectacle de la magnifique Ballora. Elle est trop belle, hein. Bon, parfois, elle est un peu bizarre, mais bon. Bon, bref. Salut, Sen. C'est le meilleur, Sen. On t'adore. Donc, du coup, aujourd'hui, on va mettre Cindy et Candy. Ça fait très longtemps que je les ai pas vus, le frère et la sœur. Vraiment, ça fait super longtemps. Et, ah oui, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai un nouveau skin. Tada ! C'est la Flanou Sunset. Vous aimez bien ou pas ? C'est coucher de soleil. Voilà, en français. Regardez, derrière. Voilà, voilà. C'est beau, non ? Franchement, j'adore, je trouve ça trop mignon. Bon, je suppose que ceux qui suivent mes lives sur Twitch et qui suivent aussi mon Instagram l'ont déjà vu. Voilà, et oui, je suis en live sur Twitch très régulièrement, les mercredis et samedis, 18h-21h. Voilà. Bonjour les enfants. Ah oui, aussi, dans les commentaires, on m'a proposé de faire une école pour les enfants. Franchement, je trouve que c'est grave une bonne idée. Si vous voulez que je fasse ça prochainement, bah, dites-le moi. Aujourd'hui, on va faire la maison de Candy et Cindy. Pour cela, je vais m'équiper parce que bah là, oui, j'ai pas grand-chose sur moi. Donc c'est parti, let's go. Pour le moment, j'ai un petit problème, c'est que je suis en train de chercher où est-ce que j'ai mis mes affaires. Et malheureusement, bah je retrouve rien. J'ai retrouvé que des burgers. Je suis en train de chercher vraiment partout sur mon monde. Mais bah, je sais pas où est-ce que j'ai mis mes affaires. C'est pas possible ça. Ah, je sais, je crois que je sais. Je les ai mis dans la salle Security Breach. Ok, c'est parfait, j'ai retrouvé. Ok, c'est bon, j'ai super bien rangé. Alors maintenant, on va décider des blocs que je vais utiliser pour la maison de Cindy et de Candy. Déjà, il faut savoir qu'il y a des choses que je pourrais avoir uniquement en créatif, notamment certains posters, certaines décorations qui sont dans les modes. Et ouais, c'est comme ça, tous les modes sont pas forcément faits pour la survie. Donc bah tout ça, je me les prendrai en créatif. Ah, bonjour. Salut Freddy, ça va? Est-ce que je peux dormir ici? Ah non, il y a des monstres. Voyons voir ce qui me reste au niveau des blocs FNAF. Ah, j'ai des rideaux comme ça. Ah, ça, ça peut être pas mal aussi pour faire une scène. Oh là là, tout ce que j'ai en pierre. C'est vrai que j'ai beaucoup miné pour mes salles. Les blocs comme ça, trop beau. Ok, c'est parti. Maintenant que j'ai un peu l'idée de ce que je veux faire, il faut que je trouve un emplacement. Oh non, c'est vrai qu'il y a Doug aussi. La semaine dernière, j'ai fait Doug. Regardez-moi cette horreur. Oh là là, je sais pas quoi en faire de lui. Il m'attaque encore? Non. On le met dans la prison ou quoi? D'où que c'est un problème, hein. Il est grave dangereux en plus. Donc oui, ça veut dire qu'on peut pas lui faire confiance. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours dans les commentaires. J'ai vu que vous avez bien aimé la salle des statues. Tintin. Non, franchement, elle est cool, la salle des statues, mais elle fait un petit peu peur. Un petit peu, mais elle est sympa quand même. Moi, j'aime bien. Oula. Je crois que j'entends marcher, là. Alors, soit c'est l'autre de Joy of Creation, soit c'est les Endo. Parce que les Endo, ici, ils arrêtent pas. Wow! Eh, mais à chaque fois, ils me font flipper, les Endo. Faut qu'ils arrêtent, eux, hein. Ouais. La maison de Cindy et Candy, donc les petits chats, frères et sœurs. Je crois que c'est des jumeaux, hein. Ouais, elle va être ici du coup. Donc je vais me débarrasser de tous ces arbres. Ces arbres, je les avais cramés pour trouver Enar, vous en rappelez ou pas? Enar qui est toujours dans la prison de sécurité, mais que j'entends comme s'il était juste à côté de moi. C'est trop bizarre. Je crois Enar, il a des pouvoirs magiques. Franchement, j'espère que Cindy et Candy ils vont pas nous saouler parce que eux, c'est des pros de l'évasion. Hein. Et c'est dangereux d'avoir des animatroniques évadés dans le village. Vraiment, c'est très très dangereux. Ok, je pense que le terrain est pas mal. Donc c'est parti, je vais aller prendre les blocs en créatif pour faire les sols et puis les murs, je vais réfléchir. Ok, c'est parti, let's go. Ok, on se retrouve beaucoup plus tard. J'ai bien avancé la maison de Candy
et Cindy. Alors par contre, elle est assez carrée. Regardez la porte, comment elle est trop cool. J'adore, ça c'est mon truc préféré. Elle est assez carrée pour le moment, donc peut-être qu'après je viendrai faire des petites découpes et tout, je sais pas trop. En tout cas pour les fenêtres, regardez, j'ai repris les couleurs de Cindy et de Candy. Et là, je vais faire bien l'escalier qui va monter en fait à l'étage. Ouais, parce qu'il y aura un étage. Et je vais essayer après d'ajouter un peu de couleur et tout, parce que je trouve qu'elle est assez tristoune pour le moment. Elle est un peu trop noire. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas trop. Hop là, et voilà, un escalier de fait. C'est pas mal ça. Allez Cani, on a encore beaucoup de choses à faire là. Hein. Regardez. Non, franchement, c'est peut-être un peu trop sombre là. Non, mais sinon, l'intérieur est cool. Hein. Cani, à l'aide. Il faut que tu m'aides, Cani. Il faut que tu me donnes de l'inspiration. Bon, on se retrouve plus tard. Ok, du coup, je vous montre un petit peu l'avancée. Avec Cani, on a bien avancé. Regardez, on a fait la chambre de Cindy et de Candy. Regardez, franchement, c'est pas mal, non? Avec le côté violet et le côté bleu pour le frère et la sœur. Il me reste à faire le plafond et après je vais vous montrer en bas comment c'est trop mignon. Par contre, je sais pas quoi ajouter ici comme décoration au niveau de la chambre. J'avoue, c'est un peu vide, mais bon. De toute façon, on va les mettre ici, je pense. En bas, je vais mettre leurs statues. Donc regardez, je les ai déjà, les statues. Je vais aller les mettre. Ok, du coup, j'ai un panneau violet, un panneau bleu. Donc je vais le mettre sur la maison. Hop, maison de Candy, maison de Cindy. Et voilà. Oh, franchement, c'est pas mal, hein. J'aime pas trop le haut, par contre. Je sais pas comment l'améliorer. J'ai fait un toit plat pour le moment. Donc, c'est parti. On va aller mettre les statues. Je vais relier les caméras. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Déjà, la porte d'entrée, elle est comme ceci. Tadam. Comme ça, bah, je pourrais fermer la nuit et ouvrir le jour. Ensuite, ici, on a une scène. Donc, c'est là où je vais mettre les statues. Tac. Ah ouais, mais c'est peut-être un peu... Attendez. C'est peut-être un peu bas là, mais bon, c'est pas grave. Alors, hop, voilà. Oh, elle a un burger! Oh, il est trop bizarre. Attends, ça fait quoi? Oh! Oh, ils sont trop cute! Non, franchement, je les aime bien. Vous en pensez quoi? Franchement, je les aime bien. Ok, on va éteindre les statues. Donc, bon, bah, c'est dommage, les rideaux, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Je pensais que la scène serait assez grande, mais en fait, non. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite... À l'étage, donc à l'étage c'est la chambre, j'ai juste ajouté ici des drawers, comme ça bah ils peuvent ranger leurs affaires et tout, et comme ça bah voilà, ils ont chacun leur espace. Par contre ici je sais pas trop quoi faire, donc si vous avez des idées bah n'hésitez pas à me le dire. Ok, c'est parti, maintenant je vais faire spawn Cindy et Candy à l'étage. Ah, mais juste avant faut que je relie les caméras. Ok, comme ça on pourra bien les voir. Tadam ! Hop là. Ah, mais y a un arnaqueur. Bonjour monsieur, non c'est pas votre maison ici, vous vendez quoi? Oh, des bananes! Attends, mais j'en veux des bananes. Attendez, je reviens monsieur. Attends, j'ai pas des émeraudes là, non. Attendez, je reviens monsieur, je veux des bananes. Des bananes, mais c'est trop bien les bananes. Bon, ce dimanche j'étais en live sur YouTube et sur TikTok d'ailleurs, parce qu'en ce moment j'ai commencé les lives sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi si vous voulez des lives. Et en ce moment, je fais Garden of Banban. Oui, et d'ailleurs on a fini le chapitre 4. Et ce dimanche, je ferai le chapitre 6. Ce sera à partir de 16h. Donc, si vous voulez venir, il suffit de venir sur ma chaîne YouTube à 16h ce dimanche. Et voilà, vous pourrez regarder le chapitre 6 de Garden of Banban. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il me fallait, moi? Des émeraudes. Parfait. On va aller acheter des bananes. Enfin, c'est des pots de bananes, hein. Et vous croyez que je peux faire des blagues avec? Je peux faire glisser les gens? Ça peut être rigolo, ça. Imagine, je fais glisser les animatroniques sur les pots de bananes. Incroyable. Oh non, il pleut. En vrai, d'extérieur, la maison, elle paye pas de mine. Mais d'intérieur, elle est trop mignonne. J'ai l'impression que j'ai un peu raté l'extérieur. Vous en pensez quoi? Vous me direz. Peut-être faut que je remette une couche comme ça en haut. Salut. Non, il est où le mec? Non. Ah si, il est là. Oh, j'ai eu peur. Ok. Donne-moi des bananes. Quoi? Il m'en a donné que deux? Putain, radin. Ah, ça, c'est bien pour moi. Comment ça, il m'a donné que deux bananes? Oh, je peux les mettre par terre. Oh, regardez, c'est trop bien. Attends. Ah non, ça fait rien que je marche dessus. Attends, mais toi, par contre, tu m'as arnaqué. Tu m'as vendu que deux bananes. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Non, j'ai rien fait. Oh non, ma banane, ça l'a cassée. Non. Bah écoutez, je fais un piège pour Candy et Cindy. Comme ça, s'ils sortent de chez eux, hop, ils glisseront sur la peau de banane. Ok, c'est parti. Du coup, on va aller faire spawn maintenant que j'ai les caméras. Attends. Ok. C'est un peu vide à l'étage quand même, hein. Bon, après, ça leur fait plus de place pour circuler. Ok, c'est vraiment pas mal. Ah. Non, laisse-moi le lama. Non. Oh là là. Oh là là. Le lama, il veut nous attaquer. C'est n'importe quoi.
Bon, c'est parti, on va faire spawn Cindy et Candy. Est-ce qu'ils vont aimer leur maison? Mais va-t'en, Lama! Mais oh my god, ils sont en train de monter à l'étage. Mais arrêtez, chut, c'est pour votre bien que j'ai fait ça. Arrêtez. Ok, c'est parti, let's go faire spawn Candy and Cindy. Mais arrêtez! Oh là là. Bon bah ils vont vivre avec les lamas, hein. Ok, c'est parti, j'ai le frère et la sœur. Alors le frère, on le met là. Oh! Il a voulu m'attaquer ou quoi? Et la sœur? Non, ça va, ils sont gentils. Non mais attends, je m'en vais parce que... Je crois que le frère, il a voulu m'attaquer, mais je suis pas sûre. Attendez. Ok. Wow, non mais ils font flipper. Pourtant, je crois qu'il fait pas nuit. Attends, on va regarder. Ok. Oh, ils sont trop cool! Regardez comment ils sont classe. Franchement, j'aime bien, hein. Oh, franchement, ils sont trop stylés. Et le burger, il s'appelle comment, le burger qu'elle a? Il est trop mignon. Ils font coucou. Faites coucou à la caméra. Faites coucou. Non, c'est par ici. Ouh. Candy. Ouh. Oh, ils sont trop mignons. Non, en vrai. En vrai, ils sont cute, non? L'intérieur est incroyable. Par contre, j'ai bien réussi. Juste, attends. Ils sont en train de descendre. Oh non. Vous croyez qu'ils me voient? S'il fait nuit, attendez, on va attendre la nuit. On va voir s'ils se dirigent vers moi et tout. Je vais aller poser mes colorants et tout, là, que je me suis fait arnaquer. C'est l'heure de ressortir le chapeau de détective la nuit. Voyons voir, est-ce que Cindy et Candy vont être attirés par la viande fraîche de Flanou la nuit? Je vais peut-être poser mon stuff quand même, hein, parce que je sens pas de perdre tous mes trucs en ésorite, là. Et regardez, on dirait que je vais à l'école. La la la, Flanou va à l'école, oui, oui. D'ailleurs, vous voulez que je fasse l'école des enfants au prochain épisode? En vrai, ça va être trop cool. Oh, regardez qui y a à la fenêtre. Oh non, c'est trop creepy. T'imagines, t'es dans la rue et tu passes devant une maison et il y a un truc comme ça qui te fait coucou à la fenêtre. Cindy et Candy, il faut dire que depuis ma saison 1 de FNAF, j'ai eu des choses assez bizarres avec eux. Parce que, si vous voulez, Cindy et Candy, ils ont vraiment essayé de se sauver et tout. Et ils étaient un peu malaisants. Et étant donné qu'ils sont deux, bah ils sont deux fois plus intelligents. Ouais. Ah oui, il fait nuit. Enar vient de se réveiller. Ok. Pour le moment, je vois pas trop d'activité. Oh, je les entends par contre. Mince, j'ai pas pris les caméras. Je vois pas où ils sont. Ah, je les vois bouger, regardez. Attendez, on va aller voir à l'autre fenêtre. Je vais monter dans l'arbre, attends. On va grimper. Non, ils sont pas en bas, ils sont en haut. Ok. Là, je vois Cindy et Candy, je vois qu'il est là-bas. Je vais essayer de m'infiltrer à l'autre fenêtre. Oh, j'ai pas vu. Il est juste là. Mais ils ont pas l'air de vouloir m'agresser, non? Regardez, ils ont l'air gentils, non? Est-ce que j'essaye d'entrer avec eux ou pas? Moi, je trouve qu'ils ont l'air gentils, mais après... eux, ils sont très malins, donc ça se peut qu'ils aient compris qu'ils soient observés. Et qu'ils essayent de faire les gentils et tout. Purée. Enar, calme-toi, hein, par contre. Ok, on va essayer d'entrer. Ok. Surtout... Est-ce qu'ils sont gentils ou pas? Salut! Oula, attends, je suis pas sûre, là. Ok, je prends mon courage à deux mains. 3... 2... 1... Ah! Non, ils sont pas gentils! Non! Je croyais qu'ils étaient gentils. Oh my god, heureusement, ils m'ont pas fait un screamer. Ok! Bah purée, on a bien fait de mettre cette porte-là, hein. Parce que, oh, regarde, elle me fait coucou. Je crois qu'elle essaye de m'attirer avec son burger. Non, j'en ai des burgers, j'ai pas faim, hein. Laisse-moi tranquille. Elle veut m'attirer. Dégage-toi. Non. Ils sont trop malins. Je vous ai dit, ils sont trop malins, c'était sûr. Ils veulent m'attirer pour me tuer. Ok, écoutez, je vais aller passer la nuit dans la prison de sécurité. Ouais, mais pourquoi je viens là, moi, la nuit? Ça, c'est ce qui fait le plus peur au monde. La prison, la la la. Bon, bah, écoutez, je vais passer la nuit ici, hein. Génial comme endroit, Flanou. Bon, bah, je vais passer la nuit ici, hein, écoutez, et puis, puis on se retrouve demain matin. Ouais, allez. Oh! Ok, c'est bon, il fait jour, et maintenant...
Ah bah tu t'es endormi sur les barreaux toi, bah génial, vraiment très bien. Lui c'est bizarre, on dirait il continue de bouger, non, vous trouvez pas? Et lui c'est bon, il s'est bien endormi. Et toi la pizza à l'ananas là? Ouais, je te surveille, hein. Ok, c'est parti, refermons la prison haute sécurité. Je sais que ma prison elle est moche, mais bon, voilà, au moins elle est grave sécurité. Voyons voir du côté de Cindy et Candy, qu'est-ce qu'ils ont fait cette nuit? J'espère qu'ils sont pas enfuis. Alors, déjà, point positif, c'est que j'ai l'impression qu'ils arrivent pas à descendre les escaliers. Donc ça, c'est vraiment bien. Du coup, ça fait qu'ils restent en haut dans leur chambre. Vous êtes punis dans votre chambre. Et ici, je sais pas encore quoi mettre, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez une petite idée. En tout cas, j'ai bien vu que Cindy, elle a bien essayé de m'appâter avec son burger, là. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'elle a compris que j'aimais les burgers. Je vous ai dit qu'ils étaient intelligents, le frère et la sœur. Hein. Je vous l'ai dit, ils sont super intelligents. J'ai une dernière surprise à vous montrer. D'abord, faut que j'enlève un petit peu les arbres qui sont ici. Vous allez voir. Ah! Vous avez peut-être vu un peu la surprise! Non! Cani, c'est quoi la surprise à ton avis? Hein, n'est-ce pas? Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1... Vous aimez bien ou pas? J'ai fait du coup la tête en mode un peu cartoon de Cindy et de Candy sur leur maison. Franchement, moi je les trouve trop mignons. C'est un peu en mode chibi. Voilà, du coup, les petits chats, frères et sœurs. Écoutez, c'était un épisode spécial pour Cindy et Candy. Dites-moi si vous avez aimé la maison, donnez-moi une petite note sur 10. Et on se retrouve très vite sur ma survie FNAF tous les mardis en vidéo. Oui, oui, oui. Et prochainement, peut-être qu'on fera l'école pour les enfants. Yes! Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et on se retrouve mardi prochain pour la suite. Des bisous, bye bye!